tout sweet, oh, so so fun. Oh, until make you know they do. Like say now you get that. Person where God go bless. Now him he go bless. So make you know they do. Gra gra. Life now. Je veux que tu viennes me rendre heureuse. Voyons, tu sais que je suis trop pris en ces moments. Ne me dis pas que tu es trop occupé jusqu'au point que tu ne peux pas venir me voir. Tu m'as envoyé de faire ce travail et j'aimerais le faire très bien. Josh, je t'ai envoyé là-bas pour gagner sa confiance. Et après, tu l'as tué. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Que penses-tu que tu es en train de faire, Josh? Je fais exactement ce que tu as voulu que je fasse. Honnêtement, cela montre comme si tu as oublié la raison pour laquelle tu es là-bas. Josh, tu as 7 jours pour exécuter cela. Tu n'es pas sérieuse. Je ne plaisante pas, je suis sérieuse. 7 jours, Josh. 7 jours. Non, non, je veux plus de temps. Ce n'est pas si facile que tu le penses. Tu n'as pas de temps. 7 jours est trop passé pour toi de faire tout ce que tu veux et ce que tu penses. 7 jours. Ok, je ferai des mouillés. Ça alors, c'est mon petit champ de plaisir. Fais-le, ok? Ah, et donc il est vraiment ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel merveilleux peuple! Faites encore de bruit, s'il vous plaît! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que vous vous êtes réjouis de la cérémonie. Oui,
ce maintenant le temps d'analyser les résultats. Alors ce n'est pas moi qui vais les faire. Sous votre permission, laissez-moi vous présenter le numéro 1 de cette organisation. Monsieur Will. Salutations, mesdames et messieurs. De la part du patron de notre chère compagnie, j'ai la joie immense de vous présenter Madame Blize. J'aimerais faire appel à nos top modèles, l'une après l'autre. La première personne est Miss Barry Berlingo. La prochaine sur la liste est Miss Kate Otto. Montrez-lui de l'amour, montrez-lui de l'amour, allez-y, allez-y. Bien. Nous avons Love Swedo. La suivante est Miss Jackson. Et Miss Janet. La suivante sur la liste est Miss Abo Wisdom. Magnifique. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, dans toutes les compétitions, il y a toujours un gagnant. Et comme vous pouvez le voir, toutes nos participantes ont bien travaillé dans l'habillement ainsi que pendant le défilé. Mais avant que je n'annonce ces résultats, je vais la gagnante de cette année, durant toute cette compétition, n'est personne d'autre que Miss. La vainqueur est Miss Apple Wizard. Doucement. Oui, calmez-vous s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce n'est pas à mon pouvoir de couronner la gagnante. Et j'aimerais inviter notre chère Madame Blize de venir et couronner notre gagnante sous vos applaudissements, bien sûr. Salut. 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 Je suis très contente d'être parmi vous. Mon nom est Madame Phillips. Je représente Madame Berra, la responsable de cette compétition. Je veux maintenant couronner celle qui est la première. Mais avant d'en arriver là, je pense que je vais donner la parole à mon coach parce que
il a quelque chose d'important à communiquer à ces belles demoiselles ici présentes. Ok. Merci. Applaudissez une fois de plus pour un autre. Premièrement, je remercie notre organisatrice Jadis pour ses efforts aussi pour avoir ses lauréates de cette première édition. Je m'en vais également saluer son géniale idée pour avoir organisé cette merveilleuse compétition de ces belles demoiselles. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Aussi, sans oublier notre belle, merveilleuse et élégante et demoiselle d'honneur, mes sincères félicitations. Tu es très belle. Nous allons partager un repas ensemble ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien, comme vous pouvez le voir, ça c'est la preuve du consentement de toute personne ici présente. Alors maintenant, nous allons passer à la remise des prix. Continuez d'applaudir, s'il vous plaît, ne soyez pas fatigué, ne soyez pas fatigué, ne soyez pas fatigué, s'il vous plaît, ne le soyez pas. Aujourd'hui, je te couronne Miss Harpon Quinstis, la reine de notre compétition. Magnifique, magnifique. S'il vous plaît, encore plus d'applaudissements pour notre gagnante. Bien, notre cher, magnifique Abu Wisdom, je vous prie, dites à l'audience comment vous vous sentez d'être couronnée la reine de la compétition d'aujourd'hui. Je ne sais même pas quoi dire. C'est comme un rêve qui devient réalité. Merci beaucoup à tous pour votre amour, votre soutien et encouragement. Je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Et à toutes nos candidates, vous êtes vraiment jolies. Je remercie aussi Maman Bella pour son amour et ses encouragements. Que Dieu te bénisse. Et je promets avec cette couronne que je vais impacter positivement la vie de tout mon entourage. Les nouveaux visages des Hot Nook. Le nouveau des Hot Nook. Merci. Ça mérite une célébration. Meilleur moment, bébé. C'est comme si il y a quelque chose avec tes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux? Est-ce que tu as un frère? Frère? Oui. Non. Pourquoi cette question? Le violeur. Le violeur? Quel violeur? Rien du tout. Je blaguais. Tu m'as effrayée. C'est bon. C'était juste des illusions. Allez, nous devons célébrer. Et mon cher, c'était une bonne performance. Je t'avais dit que je pouvais faire ça. Je te l'ai dit. Mais comment tu t'arranges pour faire tout cela? Ne te l'avais-je pas dit? J'espère que c'était impressionnant. Tout était sous contrôle. Tu as tué l'événement, je te le jure. Merci, bro. Merci. Tchaï! Alors, Georges, dis-moi, comment va ta grand-mère? Grand-mère va bien. Juste qu'elle veut que je sois avec elle de temps en temps. C'est quoi le problème dans ce cas? N'était-ce pas ça l'accord avec elle? Elle fait son travail et tu fais le tien. Oui. Et quand est-ce que tu vas redevenir toi? Madame Apori Sting. Ne t'en fais pas, laisse-moi ça, ok? Tu sais que j'arrange toujours tout, je vais arranger ça. Et Madame Apo. 2 millions Negra. Je t'ai dit. Non, mon gars. Tu es riche. Voyons, bro. Tu es riche. Hey, 2 millions Negra.
qui est là? Mosé, cache-toi quelque part. Josh, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu un crime pour moi de venir vous rendre visite? Hey, mon Dieu. Qu'est-il arrivé, Georges? Georges? Est-ce que tu vas bien? Georges, parle-moi. Qu'est-il arrivé? Tu es en train de pleurer, mec? Georges, parle-moi. Tu peux te confier à moi, bro? Georges, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce gars va me tuer, juste. Georges, pourquoi es-tu en pleurs? Est-ce que quelqu'un est mort? Parle-moi, non? Tu me rends vraiment confus. Voyons, mec, parle-moi, c'est moi. Oh. Oh. Ça va aller, hein? Alors, ma supposition, ton compte personnel, ok? Partage-toi avec moi, partage tes problèmes. Parce que un problème, tu sais, un problème partagé est à moitié résolu, ok? S'il te plaît, partage-les avec moi. Dis-le-moi, je serai capable de les résoudre. Ah, ok. S'il te plaît. Ok. Bien. Maintenant, tu peux aller manger ta nourriture, ok? Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Franchement, j'y suis à bout. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Josh, pourquoi tu es en train de jouer avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as dit que je verrai le corps de Bella dans quelques minutes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu me fais chier comme ça? Tu as dit que je t'ai fait chier? Et donc moi je t'ai fait chier? Regarde, femme. Je ne peux pas tuer cette femme. Je l'ai essayé, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Sauf si je t'ai payé pour que tu puisses les tuer et moi je démissionne. Vraiment? C'est mieux que tu t'en tires. Alors je vais m'assurer que tu partes avec la honte. Et je vais lui dire que... tu l'as déçu d'être son petit-fils. Retire ça dans ta tête. Oh oui? Oui. Dis-lui, écrase les morceaux et je lui dirai que c'est toi qui m'as envoyé, sa mère amie. Elle ne va pas te croire. Elle ne te croira jamais. Et tu sais pourquoi? Elle est la seule qui me fait trop confiance. Elle est ma seule meilleure amie. Retire bien cela. Oh oui? Oui. Très bien. Fais ce que tu veux. Je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué de tes plans, je suis fatigué de tes missions. Alors, regarde-moi. Je suis en train de te regarder.
n'importe quoi. Salut ma chère. Comment tu te portes maintenant? Je ne me sens pas vraiment bien. C'est quoi le problème avec toi? Je pense que mon cœur bat si vite. Mais j'ai déjà pris quelques médicaments. Oui, mon docteur était là pour m'examiner. Oh, désolée. Je suis vraiment désolée. Désolée parce que je ne peux pas te trouver quelque chose à boire. Ce qu'on peut faire est que... mon petit-fils reviendra bientôt, ok? Quand il reviendra, il pourra te donner ton meilleur jus. Mama de mama. Oh mon cher, comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. J'ai dormi encore lorsque tu avais quitté la maison. Oui, je ne voulais pas te déranger. Je voulais te le dire dès mon retour. Je sais. J'espère oui, que tu un vas peu bien. Bien. Moi et ta grand-mère, nous étions en train de parler d'une chose vraiment importante avant que tu arrives. C'est la vérité. Oh, peut-être que tu dois m'excuser. Non. C'est à moi de m'excuser. Je voulais t'envoyer afin que tu me prennes quelque chose, mais j'irai moi-même. Laisse-moi le faire. Tu es sûr? Oui. Essaie de lui offrir quelque chose à boire. Ok. S'il te plaît, fais attention à toi. Prends bien soin de toi. Tu seras bientôt guérie. Alors, qu'est-ce que je dois t'offrir? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça a l'air de quoi déjà? Écoute-moi bien. Et si tu racontes à Mabila quelque chose, je te jure que je vais te ôter la vie. Je veux t'exposer et je lui dirai tout ce qui s'est passé entre nous. Et je te garantis l'enfer. Tu parles comme un connard. Et penses-tu qu'elle sera en train de croire à tout ce que tu vas dire comme bêtise? Josh, je crois que tu étais une grande personne. Pourtant, tu es toujours un enfant. Je pense que tu dois pousser à ton cerveau comment réfléchir. Comment peux-tu oublier rapidement comme ça? Je garde toujours les photos de la fête qui était passée. J'ai notre sextape et je le mettrai sur internet et tout le monde le verra. Tu oublies que ta face est aussi dans ce que tu veux pour tout le monde. Qui s'en occupe? Moi, je m'en fous. Attends-moi. Oui, allô, c'est à Madame Philippe. Je veux que tu libères ces garçons sous cette chaîne. Oui, c'est Fernando. Je veux qu'il soit libéré. Je vais dire maintenant. Je sais. Ok, merci beaucoup. C'est fait. Voyons qui gagnera. Alors, Tony, toi tu penses que tu peux me ravir ma petite amie? Ma petite amie, tu le prends comme ça et tu pars avec elle? C'est ce que tu penses? Mon cher, ceci est un lieu de service, tu fais du bruit. Je fais les bruits? Parce que je t'ai dit la vérité? Hein? Écoute, Tony, tu sais bien que cette fille est mienne. Elle n'est pas tienne, alors méfie-toi d'elle. Je vois. Cette fille t'a nié en ta présence. Tout simplement, on avait un petit problème. On était sur le point d'attente et tu es venu la récupérer. Père. Tu n'es rien d'autre qu'un tonneau vide. Tu n'es rien d'autre qu'un tonneau vide, mon cher. C'est de ça que tu me qualifies? Regarde-toi, tu es juste un fou.
Tu es juste un fou, un animal. C'est ce que tu es. Kane, sors de mon bureau. Sors tout de suite de mon bureau, sinon j'appelle la sécurité immédiatement. Tony, tu me chasses de ton bureau? Si je ne sors pas, qu'est-ce que tu vas me faire? Sois prêt à passer les restants de tes jours dans un hôpital. Regarde celui qui parle. Je vais terminer le reste de mes jours à l'hôpital et qui va aller me laisser là-bas? Toi? Un petit rat comme toi? Kane, sors maintenant de mon bureau. Sors de mon bureau maintenant, je ne veux plus le répéter. Sors tout de suite de mon bureau. Écoute, Tony, ce n'est pas de ta faute. Non! Tu sais c'est à qui la faute? C'est à tes parents. Tes parents stupides. Maintenant, ce n'est arrivé au point où tu incites mes propres parents. Qu'est-ce que tu vas me faire, un petit rat que tu es? Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Tu ne peux rien faire. Éloigne-toi de ma petite amie. Éloigne-toi. Si je rentre encore ici, ça ne serait plus comme ça. Je ne vais plus te mettre en garde. Idiot. Grand-mère. Comment trouves-tu Apple Nelson? C'est ça, hein? Oui. C'est une bonne personne. Non, nous n'avons pas le même point de vue. Ce n'est pas question d'une bonne personne. Mais est-ce qu'elle te plaît? Bien sûr qu'elle me plaît. Je ne parle pas d'amis. Je disais, peut-être que tu auras besoin de quelques pommes. Oh, grand-mère. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Bon, parce qu'on parle d'amis et tout, c'est pour ça que tu veux que je mange. Ok, d'accord, je mange. Alors, maintenant, je veux dire, es-tu en train de l'aimer? Je veux parler de l'amour. C'est genre de l'amour. Hé, hey, grand-mère. Tu me commences. Mon beau. Je sais. Excuse-moi. C'est juste comme ça. Un arrière-petit-fils. C'est cela mon désir. Ok, je... Grand-mère, attends, parlons autre chose. Ok. Je vais te demander quelque chose. Pourquoi mes parents ne veulent pas m'amener au Nigeria? Je ne voudrais pas qu'on aille là-bas. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ne pourrions-nous pas aller autre part? Mais pourquoi on ne parlait pas de ça? Mais c'est à cause de moi. Oleno, s'il te plaît, allons dans un autre endroit. Mon rayon de soleil. Ok, grand-mère. Tu veux me stériliser? Mais ce que je veux savoir maintenant est que... Fais-moi juste une faveur. Est-ce que tu me permets... Mm-hmm. de te dire quelque chose? Oui. De quelle faveur parles-tu? Je veux que tu me dises... graduellement. Parfois quand les gens m'appellent grand-mère, parfois arrière-grand-mère, et d'autres fois arrière-arrière-grand-mère, je veux que vous aussi, en voyant tout cet espace, cette maison est trop grande pour accueillir des enfants. Je veux des enfants courir partout dans cette maison. Courir et sauter dans toute cette maison. S'il te plaît, peux-tu le faire pour moi? Avant que ce cancer ne me tue. Grand-mère, je te l'avais dit. Arrête de parler comme ça. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps et fortement. Comme un enfant. Et tu auras le temps de tout voir. C'est le cas. Tu veux que j'aille combien d'enfants? Wow! J'en veux 20. Ah, 30, ah, 50 et même beaucoup. En tout cas, dans ces cas, tellement. Je t'avais dit que j'avais besoin de beaucoup de petits-fils. Hein? Bon après-midi, maman. Qui es-tu? Oui, qui es-tu? Bien, je crois que vous êtes un moment de bien sûr que c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, mon nom est Rich Fernando. Oui, je suis votre petit-fils. Quoi? Je m'en fous de tout ce que tu dis. Je te dis, je m'en fous. Comment oses-tu venir chez moi? Et je vois que ce n'était pas assez pour toi. Tu es même entré dans ma vie privée. Pour qui te prends-tu? Et pour me dire quoi? Hein? Qui es-tu? Allons, jeune homme. Pourquoi es-tu venu créer de problèmes dans ma maison? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Désolée, madame. Mais je ne suis pas venu ici pour vous apporter des problèmes. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire? Au fait, maman, j'étais kidnappé pendant que je retournais en Amérique.
Vraiment? Je vois. Josh, tu es silencieux. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bien. Franchement, je n'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire. Que dois-je vraiment faire? Oui, mais je ne comprends pas. Tu es envoyé par le grand frère de mon défunt mari. Appelons-le afin qu'il puisse nous éclaircir dans tout ceci. Après quoi, je veux vous rejoindre tous. Tu n'es pas sérieux. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Ah, mon cher, il y a le feu sur la montagne. Les gars Rich Fernando est de retour. Mais je pensais que ta Sugarman avait la situation sous contrôle. Je l'ai pensé aussi. Mais regarde tout ça. George. Hein? Essaie un peu de penser à ceci. Ne crois-tu pas que ta Sugarman a quelque chose à voir là-dedans? Comment? Voyons, bro, réfléchis. Revêtis ta cape de réflexion. Elle a fait ça pour t'avoir à nouveau. Hey. C'est ça, oui, c'est ça. Hein? Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je ne sais pas. Tu sais que je pensais aller faire les tests. Et serais-tu d'accord avec ça? Mais c'est ridicule. Toi et moi savons très bien cela. Hein? Alors pourquoi encore les tests? Je sais, hey. Mon gars. Il n'est pas trop tard pour t'enfuir. Parce que normalement, on n'apprend pas à un voleur comment ça courir. Ça fais là. Je t'ai envoyé par Maman Bila. Elle dit qu'elle a besoin de ton aide. Arune, c'est ici. Ma femme Obima Monica. En tant que jeune, n'est-ce pas, c'est toi qui devrais commencer par me saluer? Je pensais que... Désolé. Bonjour, monsieur. Désolé pour toi-même. Je m'en allais déjà. Maintenant que tu viens de me saluer, je peux t'écouter alors. Je te reçois maintenant. Tu peux entrer. Okay. Tu vas payer pour ce que je viens de t'apprendre. Hein? C'est simple manière de courtoisie. Hmm? Entrons maintenant. J'étais déjà sur le point de partir. Si la femme de mon défunt frère avait besoin de moi urgentement, pourquoi n'est-elle pas venue d'elle-même? Pourquoi a-t-elle envoyé un simple chauffeur comme toi? Hein? Vous connaissez bien son statut. Elle a le cancer. Et le docteur l'a interdit de se déplacer. Hein? Si ce déplacement de quitter là-bas pour venir me voir n'est pas du tout nécessaire, alors ce n'est pas du tout aussi nécessaire d'aller répondre à son appel. Désolé, monsieur, parlons autre chose. Je ne suis pas juste un chauffeur comme vous venez de m'appeler. Je suis son assistant. Allons-y, si. Aimez Bioma Monica. Quelle différence existe-t-il entre assistant personnel et chauffeur personnel? Y a-t-il différence entre les deux? Entre les deux, personnel. Hein? Comme Ifeso et Ifeso Ezo. Entre vous deux. Alors, quelle différence y a-t-il? Hein? Hé, hé. Moi, c'est Dike. Hein? Madame Bila veut se rassurer qu'elle n'est pas folle. Mm-hmm. Elle veut savoir si tu as l'idée de la vraie identité de ses enfants. Si sa fille avait passé du temps avec toi avant d'aller à l'étranger. Vraiment, je penserai. S'il vous plaît, faites-le. Et puis, soyez rapide. Que je le fasse rapide. Tu vois ce point, c'est pour te chicnoder. Tu me prends pour qui? Pour que tu me dises que je fasse vite. Hein? Allô, Sisi. Aimé Bioma Monica. Qui es-tu pour me dire que je fasse vite? Désolé, monsieur. Tiens-toi debout, vite. Tourne là-bas, embrasse la porte. Allez, commence à partir. Vas-y. Allez-y. Oui, tu peux t'en aller.
Papa, vous partez à la cité. Si je dois partir en ville, est-ce que tu dois me donner l'argent des transports? Hein? Pourquoi ne me permets-tu pas manger calmement ces repas? Papa, tout ce que je sais de dire est que si tu vas à la cité, passe mes salutations à maman Bella. Peut-être qu'elle va s'en charger de mes frais scolaires. Ferme vite ta bouche. Dans ta bouche, il y a seulement le frais, le frais, le frais. Pourquoi ne songes-tu pas à propos du mariage? Tu as déjà l'âge de te marier, hein? Je suis encore une enfant. Tu es moins âgée? Oui. Qui t'a dit cela? Quand j'avais épousé ta mère, est-ce qu'elle avait l'âge que tu as? Hein? Regarde un peu sur ta poitrine. Il y a des gros seins. À quel âge que ta mère a commencé à mettre au monde? Est-ce qu'il faut d'abord étudier avant d'aller au mariage? Pourquoi dois-je gaspiller mon argent pourtant tant que tu es là pour le mariage? Dégage, dégage-toi de là. Laisse-moi manger calmement. Dégage-toi de là. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? C'est à qui que je parle, bête? Jigé, bienvenue chez moi. D'ailleurs, c'est aussi ta maison. Ça, c'est la maison de mon défunt frère que tu te réjouis seul avec. En passant, c'est quoi encore ce problème de l'identification que ton chauffeur était venu me dire chez moi? Hein? Honnêtement, Je ne sais pas comment toutes ces choses sont arrivées. Mais je dois toujours blâmer ma fille. Je blâme ma fille pour toutes ces choses. D'ailleurs, qu'allons-nous dire? On ne blâme pas un mort. Hein? Mais s'il te plaît, dis-moi. Hein? Entre ces deux hommes, peux-tu m'aider à identifier le petit garçon que ma fille a laissé avant sa mort? Sans effet, je les rejette en bloc. La fille de mon défunt frère n'avait pas mis au monde aucun de ces deux voyous. C'est quoi ça? Essaie de bien le regarder. De voleur. Tu veux dire qu'aucun d'eux est ton neveu? À quoi bon de me poser cette question? Regarde-le très bien. Par un simple regard, celui-ci se voit un vrai criminel. Encore, il a l'air d'un vrai violeur. Qui viole la petite fille du quartier? Il est de Flore. Hein? Regarde celui-là. Celui-ci doit être un vrai kidnappeur, un vrai voleur. Regarde la lunette qu'il a toujours utilisée pour ne pas voir ses yeux. Ses gros yeux. Regarde un peu sa tête. Regarde la couleur de ses cheveux. Hein? S'il vous plaît, il n'y a rien à continuer avec ces voleurs. C'est moi qui ai le plein droit d'hériter ses biens, vu que ce problème me concerne. Hein? Aïe! D'ailleurs, d'où viennent ces deux voleurs qui sont devant nous? Oui, allô, c'est à Madame Philippe. Je veux que tu libères ces garçons sous cette chaîne. Oui, c'est Fernando. Je veux qu'il soit libéré. Je vais dire maintenant. Je sais. Ok, merci beaucoup. C'est fait. Voyons qui gagnera. Alors, Tony,
Toi, tu penses que tu peux me ravir ma petite amie? Ma petite amie, tu le prends comme ça et tu pars avec elle? C'est ce que tu penses? Mon cher, ceci est un lieu de service, tu fais du bruit. Je fais les bruits? Parce que je t'ai dit la vérité? Hein? Écoute, Tony, tu sais bien que cette fille est mienne. Elle n'est pas tienne, alors méfie-toi d'elle. Je vois. Cette fille t'a nié en ta présence. Tout simplement, on avait un petit problème. On était sur le point d'attente et tu es venu la récupérer. S'il vous plaît, arrangez vos problèmes au lieu de venir me déranger dans mon lieu de service. Tony, il semble que tu oublies Kennedy. Tu as oublié Kennedy? Tu oublies ce que je suis capable de te faire? Tu n'es rien d'autre qu'un ton vide. Tu n'es rien d'autre qu'un ton vide, mon cher. C'est de ça que tu me qualifies? Regarde-toi, tu es juste un fou. Tu es juste un fou, un animal. C'est ce que tu es. Kane, sors de mon bureau. Sors tout de suite de mon bureau, sinon j'appelle la sécurité immédiatement. Tony, tu me chasses de ton bureau? Si je ne sors pas, qu'est-ce que tu vas me faire? Sois prêt à passer les restants de tes jours dans un hôpital. Regarde celui qui parle. Je vais terminer le reste de mes jours à l'hôpital et qui va aller me laisser là-bas? Toi? Un petit rat comme toi? Kane, sors maintenant de mon bureau. Sors de mon bureau maintenant, je ne vais plus le répéter. Sors tout de suite de mon bureau. Écoute, Tony, ce n'est pas de ta faute. Non, tu sais c'est à qui la faute? C'est à tes parents stupides. Maintenant, ce n'est arrivé au point où tu incites mes propres parents. Qu'est-ce que tu vas me faire, un petit rat que tu es? Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Tu ne peux rien faire. Éloigne-toi de ma petite amie. Éloigne-toi. Si je rentre encore ici, ça ne serait plus comme ça. Je ne vais plus te mettre en garde. Idiot. Grand-mère. Comment trouves-tu Apple seul? C'est ça, hein? Oui. C'est une bonne personne. Non, nous n'avons pas le même point de vue. Ce n'est pas question d'une bonne personne. Mais est-ce qu'elle te plaît? Bien sûr qu'elle me plaît. Je ne parle pas d'amis. Je disais, peut-être que tu auras besoin de quelques pommes. Oh, grand-mère. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Bon, parce qu'on parle de la nourriture, c'est pour ça que tu veux que je mange. Ok, d'accord. Je mange. Alors, maintenant, je veux dire, es-tu en train de l'aimer? Je veux parler de l'amour. C'est genre de l'amour. Hé, hey, grand-mère. Tu veux commencer? Mon beau. Je sais. Excuse-moi. Comme ça. Un arrière-petit-fils, c'est cela mon désir. Ok, je... Grand-mère, attends, parlons autre chose. Ok. Je vais te demander quelque chose. Pourquoi mes parents ne veulent pas m'amener au Nigeria? Je ne voudrais pas qu'on aille là-bas. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ne pourrions-nous pas aller autre part? Mais pourquoi on parlait pas de ça? Mais c'est à cause de moi. Oleno, s'il te plaît, allons dans un autre endroit. Mon rayon de soleil. Ok, grand-mère. Tu veux me stériliser? Mais ce que je veux savoir maintenant est que... Fais-moi juste une faveur. Est-ce que tu me permets de te dire quelque chose? Oui. De quelle faveur parles-tu? Je veux que tu me dises... Graduellement. Parfois quand les gens m'appellent grand-mère, parfois arrière-grand-mère et d'autres fois arrière-arrière-grand-mère, je veux que vous aussi, en voyant tout cet espace, cette maison est trop grande pour accueillir des enfants. Je veux des enfants courir partout dans cette maison. Courir et sauter dans toute cette maison. S'il te plaît, peux-tu le faire pour moi? Avant que ce cancer ne me tue. Grand-mère, je te l'avais dit. Arrête de parler comme ça. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps et fortement. Comme un enfant. Et tu auras le temps de tout voir. C'est le cas. Tu veux que j'aille combien d'enfants? Waouh! J'en veux 20. Ah, 30. Ah, 50. Et même beaucoup. En tout cas, dans ce cas, tellement. Je t'avais dit que j'avais besoin de beaucoup de petits-fils. Hein? Bon après-midi, maman. Qui es-tu? Oui, qui es-tu?
Bien, je crois que vous êtes un moment d'éveil. Bien sûr que c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, mon nom est Rich Fernando. Oui, je suis votre petit-fils. Quoi? Je m'en fous de tout ce que tu dis. Je te dis, je m'en fous. Comment oses-tu venir chez moi? Et je vois que ce n'était pas assez pour toi. Tu es même entré dans ma vie privée. Pour qui te prends-tu? Et pour me dire quoi? Hein? Qui es-tu? Allons, jeune homme. Pourquoi es-tu venu créer de problèmes dans ma maison? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Désolée, madame. Mais je ne suis pas venu ici pour vous apporter des problèmes. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire? En fait, maman, j'étais kidnappée pendant que je retournais en Amérique. Vraiment? Je vois. Josh, tu es silencieux. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bien. Franchement, je n'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire. Que dois-je vraiment faire? Oui, mais je ne comprends pas. Tu es envoyé par le grand frère de mon défunt mari. Appelons-le afin qu'il puisse nous éclaircir dans tout ceci. Après quoi, je veux vous rejoindre tous. Tu n'es pas sérieux. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Ah, mon cher, il y a le fée sur la montagne. Les gars Rich Fernando est de retour. Mais je pensais que ta sugar mommy avait la situation sous contrôle. Je l'ai pensé aussi. Mais regarde tout ça. George, hein? Essaie un peu de penser à ceci. Ne crois-tu pas que ta sugar mommy a quelque chose à voir là-dedans? Comment? Voyons, bro, réfléchis. Revêtis ta cape de réflexion. Elle a fait ça pour t'avoir à nouveau. Hé! Hey. C'est ça, oui, c'est ça. Hein? Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je ne sais pas. Tu sais, je pensais aller faire les tests. Et serais-tu d'accord avec ça? Mais c'est ridicule. Toi et moi savons très bien cela. Hein? Alors pourquoi encore les tests? Je sais, mon gars. Il n'est pas trop tard pour t'enfuir. Parce que normalement, on n'apprend pas à un voleur comment courir. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai envoyé par Maman Bila. Elle dit qu'elle a besoin de ton aide. Arune, c'est ici. Ma femme Obima Monica. En tant que jeune, n'est-ce pas, c'est toi qui devrais commencer par me saluer? Je pensais que... Désolé. Bonjour, monsieur. Désolé pour toi-même. Je m'en allais déjà. Maintenant que tu viens de me saluer, je peux t'écouter alors. Je te reçois maintenant. Tu peux entrer. Okay. Tu vas payer pour ce que je viens de t'apprendre. Hein? C'est simple manière de courtoisie. Hmm? Entrons maintenant. J'étais déjà sur le point de partir. Si la femme de mon défunt frère avait besoin de moi urgentement, pourquoi n'est-elle pas venue d'elle-même? Pourquoi a-t-elle envoyé un simple chauffeur comme toi? Hein? Vous connaissez bien son statut. Elle a le cancer. Et le docteur l'a interdit de se déplacer. Hein? Si ce déplacement de quitter là-bas pour venir me voir n'est pas du tout nécessaire, alors ce n'est pas du tout aussi nécessaire d'aller répondre à son appel. Désolé, monsieur, nous parlons autre chose. Je ne suis pas juste un chauffeur comme vous venez de m'appeler. Je suis son assistant personnel. Allons-nous ici. Aimez Bioma Monica. Quelle différence existe-t-il entre assistant personnel et chauffeur personnel? Y a-t-il différence entre les deux? Entre les deux, personnel. Hein? Comme Ifeso et Ifeso Ezo. Entre vous deux. Alors, quelle différence y a-t-il? Hein? Hé, hé. Moi, c'est Dike. Hein?
Madame Bila veut se rassurer qu'elle n'est pas folle. Mm-hmm. Elle veut savoir si tu as l'idée de la vraie identité de ses enfants. Si sa fille avait passé du temps avec toi avant d'aller à l'étranger. Vraiment, je penserai. S'il vous plaît, faites-le. Et puis, soyez rapide. Que je le fasse rapide. Tu vois ce point, c'est pour t'échiquenauder. Tu me prends pour qui pour que tu me dises que je fasse vite. Hein? Allô, Sisi. Aimé Bioma Monica. Qui es-tu pour me dire que je fasse vite? Désolé, monsieur. Tiens-toi debout. Vite. Tourne là-bas. Embrasse la porte. Allez, commence à partir. Vas-y. Vas-y. Allez-y. Allez-y. Oui, tu peux t'en aller. Papa, vous partez à la cité. Si je dois partir en ville, est-ce que tu dois me donner l'argent des transports? Hein? Pourquoi ne me permets-tu pas manger calmement ces repas? Papa, tout ce que j'essaie de dire est que si tu vas à la cité, passe mes salutations à maman Bella. Peut-être qu'elle va se charger de mes frais scolaires. Ferme vite ta bouche. Dans ta bouche, il y a seulement le frais, le frais, le frais. Pourquoi ne songes-tu pas à propos du mariage? Tu as déjà l'âge de te marier. Hein? Je suis encore une enfant. Tu es moins âgée? Oui. Qui te dit cela? Quand j'avais épousé ta mère, est-ce qu'elle avait l'âge que tu as? Hein? Regarde un peu sur ta poitrine. Il y a des gros seins. À quel âge que ta mère a commencé à mettre au monde? Est-ce qu'il faut d'abord étudier avant d'aller au mariage? Pourquoi dois-je gaspiller mon argent pourtant tant que tu es là pour le mariage? Dégage, dégage-toi de là. Laisse-moi manger calmement. Dégage-toi de là. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? C'est à qui que je parle, bête? Mansei Jike, bienvenue chez moi. D'ailleurs, c'est aussi ta maison. Ça, c'est la maison de mon défunt frère que tu t'es réjoui seul avec. En passant, c'est quoi encore ce problème de l'identification que ton chauffeur est venu me dire chez moi? Hein? Honnêtement, Je ne sais pas comment toutes ces choses sont arrivées. Mais je dois toujours blâmer ma fille. Je blâme ma fille pour toutes ces choses. D'ailleurs, qu'allons-nous dire? On ne blâme pas les morts. Mais s'il te plaît, dis-moi. Entre ces deux hommes, peux-tu m'aider à identifier le petit garçon que ma fille a laissé avant sa mort? Sans effet, je les rejette en bloc. La fille de mon défunt frère n'avait pas mis au monde aucun de ces deux voyous. C'est quoi ça? Essaie de bien le regarder. De voleur. Tu veux dire qu'aucun d'eux est ton neveu? À quoi bon de me poser cette question? Regarde-le très bien. Par un simple regard, celui-ci se voit un vrai criminel. Encore, il a l'air d'un vrai violeur. Qui viole la petite fille du quartier? Il est de Flore. Hein? Regarde celui-là. Celui-ci doit être un vrai kidnappeur, un vrai voleur. Regarde la lunette qu'il a toujours utilisée pour ne pas voir ses yeux. Ses gros yeux. Regarde un peu sa tête. Regarde la couleur de ses cheveux. Hein? S'il vous plaît, il n'y a rien à continuer avec ces voleurs. C'est moi qui ai le plein droit d'hériter ses biens, vu que ce problème me concerne. Hein? Aïe! D'ailleurs, d'où viennent ces deux voleurs qui sont devant nous? Hein? Je vis ton appel. Oui, je l'ai fait. Prends place, s'il te plaît. Digue, je vais te rappeler que c'est moi qui t'ai amené ici à la cité. Oui, d'aller déclarer un garçon qui s'appelle Digaz, ton petit-fils. La personne qui héritera des droits tous ceux qui m'appartiennent. Permets-moi de finir. Qu'est-ce que tu vas encore dire que tu n'as pas dit? Qui le sait? Ce garçon peut être ton copain. Mais je te promets, je vais te décevoir.
Je dois me battre pour tout ce don qui m'appartient. Parce que c'est moi le prochain héritier. Je prends compte, Dike, de cette insulte. Et tu peux quitter ma présence maintenant. Et demain tôt le matin, tu vas quitter ma maison. Et si tu ne le fais pas, je te boutrerai dehors. Tu ne peux pas le faire. Tu es une mauvaise femme. Tu es en train de rêver en pleine journée. C'est impossible. Si tu ne le fais pas, j'en finirai avec toi. Personnellement, je dis bien personnellement. Arune, si, et bien ma Monica. Il vient me dire de sauter. Je te donne l'accès de le faire. Je me suis déplacé de chez moi pour toutes ces bêtises. Tu viens me dire de n'importe quoi dans ma maison. Continue à te battre et je verrai ce qui va se passer. Hein? Viens me foutre dehors. Tu ne fais que dire des bêtises. C'est quoi ça, cette bêtise? Tu n'as pas envie. Une mauvaise femme que tu es. C'est moi qui ai transporté comme ça? Par ces deux petits garçons. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme méchante? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Je suis jeté dehors. Ne reviens plus jamais. Il a accompli son désir. Disparais. C'est moi qui ai traité de cette façon. Ok. Toutefois, cet argent pourra m'aider. Malgré ça, ce qu'elle a fait reste gravé dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose à oublier. C'est bien. Ok. Je vais faire un test ADN. Que penses-tu? C'est une meilleure option. Mais ne penses-tu pas que mon petit-fils, il pense que je ne crois pas en lui? Voyons, il ne s'agit plus de la confiance pour le moment. Il ne s'agit plus de la confiance. Tu ne crois pas qu'il est mon petit-fils? Ce n'est pas ce que je sais de dire. Alors qu'est-ce que tu dis? Essaye un peu d'enlever le doute sur ces garçons. Oh, vraiment? Tu dois être certaine. Apparemment, tu as cru à tout ce qu'on t'a dit. Pas vraiment. Je veux que les gens connaissent la vérité. Quelle vérité? La vérité sur qui est ton vrai petit-fils. Cela t'épargnera de voir n'importe qui apparaître pour dire qu'il est ton petit-fils. C'est évident. Je ne veux pas qu'il te mette en trouble. Docteur, écoutez. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, docteur, Amon Chao, as-tu un quelconque problème par rapport à ça? Je crois seulement que le docteur est un docteur de confiance. En réalité, jeune homme, personne ici ne le connaît. Encore moins l'un d'entre vous n'a son numéro ni son adresse. Vous n'en avez pas. Il est un homme de confiance. Et il a été médecin pendant des années. Vous m'entendez? Alors, docteur, oui, je madame. Sais que tu ne voudras pas faire des compromis sur leur position. Tu le feras? Certainement pas, madame. Bien sûr. Ok. Qu'il dise ce qu'il a à dire. Oui. Bien. Mesdames et messieurs, j'ai les résultats du test d'ADN. Croyez-moi, personne n'a vu ce résultat. Même pas moi. Ça vient tout droit du labo. Personne ici ne l'a vu. Même pas les gens du laboratoire. Personne. Alors, croyez-moi, les résultats que j'ai ici est vraiment authentique. Ok, allons-y. Laisse-moi jeter un œil. C'est scellé, madame. Oui, oui, je veux juste savoir. Oui, 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 oui. Fais voir. C'est vraiment ce que je voulais juste savoir. Hein? C'est simple. Bien. Les résultats que j'ai ici. Le fils de Mama Bella
c'est... Richmond, Fernando. Je le savais. Je savais que tu n'étais qu'un imposteur. Pour la première fois que tu étais entré dans ma maison. Toi, pourquoi tu es encore assis là? Peux-tu t'élever et sortir de ma maison maintenant? Quand tu avais traversé cet endroit, j'avais su que tu étais un menteur. Méchant. Docteur, je sais que c'est lui qui est le meilleur. Mon unique petit-fils. Pour la toute première fois que je t'avais vu, je me disais que ce sang ne m'appartient pas. Il est faux, toute cette jalousie. Maintenant, je sais. C'est vrai? Avez-vous un problème pour ça? Oui, il y a un problème? Pas vraiment. Je voulais juste te dire merci. Ceci doit être une blague. Toi, les fous, dehors. Voleur, sors de ma maison. Mets-le hors d'ici. Mets-le hors d'ici. Hein? Fais-le. Je vais partir. Dehors, sale menteur, méchant. Va-t'en, hors de chez moi, idiot, sale menteur. Félicitations. Merci. Actuellement. Je ne suis pas en prison. Tu veux dire qu'elle t'a laissé t'en sortir? Je crois qu'il y a un problème pour ça. Dis-moi un peu plus. Le résultat du test ADN est sorti. Et ça montre que je suis le fils biologique de Madame Bella. Tu recommences encore. Ça doit sûrement être l'une des blagues. Je suis pas en train de blaguer. Va dire ça à la marine. Je te parle de la réalité. Il est venu avec le résultat. Et il m'a confondu avec le fils biologique. Tu veux me dire que tu n'as pas payé le docteur? Payé le docteur? Pourquoi le payerais-je? Ça n'a aucun... Comment? Est-ce une erreur ou quoi? Je ne l'ai pas acheté et je suis surpris comme toi. Mais quand il nous a dit ça, j'étais choqué, j'étais frustré. Parce que je ne comprenais pas. Comment c'est possible? Ouais, c'est vrai, mais je n'arrive toujours pas à comprendre là. J'arrive toujours à rien comprendre dans cette histoire. Il y a sûrement une grosse erreur quelque part. Ils se sont sûrement trompés. Oui, je pense que c'est une erreur. Non. Quelque chose ne va sûrement pas quelque part. C'est tout sauf possible. Oui, bien que c'est une bonne nouvelle pour moi, mais tu comprends pas. Écoute, Steve, je ne te crois toujours pas, sérieux. Crois-moi, je n'ai jamais vu les docteurs avant. J'étais frustré. Je ne savais pas quoi faire. J'ai parlé avec les docteurs. Fini? Non, si tu persistes encore sur ta décision. Va tout droit au point. Je sais que ce n'est pas si nouveau pour toi de savoir que le vrai Fernando est revenu. Alors? Je ne bouge plus tout ce temps, mais... J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, garçon. Parle. Je sais très bien que tu as payé le docteur. Tu as dû décevoir tout le monde. Mais Dios, tu sais que tu ne peux pas me décevoir. Fais-moi rire encore. Écoute, je ne t'ai pas déçu. Tu es folle dans ta tête. C'est vraiment quand tu voudras. Mais écoute, Jos, j'ai quelques conseils pour toi. Emballe tes affaires tranquillement. Respectueusement. Et surtout pour éviter la honte, quitte cette maison. Parce que j'ai avec moi tout ce qui peut vraiment te faire échouer. Oh oh. Ah. Dans ta petite tête, tu penses que je vais me déplacer pour ça? Ah, Josh. Je pense que tu es en train d'oublier qui je suis. Je sais qui tu es. Oh, peut-être que tu ignores ce que je suis capable de faire. Tu es une perdante. Je connais tes plans. C'est d'atteindre Fernando. Oui. Ton plan est en train d'échouer.
bébé. Georges, quoi de neuf? Tu as l'air perdu. C'est tellement terrible de vivre dans les mensonges. C'est terrible, mon gars. Je pensais avoir dépassé tout ça. Mais je pensais que tu t'amusais avec ta grand-mère. Non, non, pas du tout. Qu'est-il arrivé? Je suis hanté par le meurtre. T'es sérieux? Quelle culpabilité. À savoir que le véritable petit-fils de Maman Bella est là dehors. Amandier dans la rue. Alors que je suis là à occuper sa position. Ce n'est pas du tout cool. Georges, pour la première fois, tu réfléchis comme un humain. Tu sais, je dois confesser. Non, 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 non. Le fais pas. Ce n'est pas le bon moment. N'ose pas le faire. Je vais le faire maintenant, je ne vais pas attendre. Georges, sois rationnel à propos de ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Crois-moi. Écoute. Je comprends cette peine qui te traverse le corps, mais n'ose pas faire ça, ok? Essaie juste de réfléchir sur ça. Et dès demain, prendra une décision. La vie n'est toujours pas ce qu'on veut, bro. Comment se fait-il que je t'ai pas vu depuis toute la journée? Hein? Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais chez un ami. Est-ce Apple? Je vais confesser. Confession? Ok. Je ne suis pas le révérend père. Qu'est-ce que tu as? Grand-mère, je suis très sérieux, s'il te plaît. Ok, hein, ok. Quelle confession? Dis-le-moi. Quoi? Pourquoi tu gesticules comme ça? Parle-moi, tu me fais peur. Ok. À ce moment, Qu'est-ce que c'est? Jésus. Écoute, allons, parle-moi. Je t'ai acheté une voiture. Oh mon Dieu. Tu n'avais pas à faire ça. Tu vas continuer à me tuer. Mais... merci beaucoup, mais j'ai beaucoup de voitures et je ne voulais pas de ça. Ma Rolls-Royce est grand dans le garage. Es-tu au courant? Je n'en veux pas. Ce que je veux, tu as dit que je dois être sérieuse pour un moment, n'est-ce pas? C'est que tu épouses Apple. Apple Wilson. Épouse-la. Prends-moi épouse. J'ai besoin de petits enfants. Tu ne vois pas comment c'est important pour moi? S'il te plaît, je veux des petits enfants. Épouse, là. Ne me dis pas non. Ne dis pas non à ta grand-mère. Alors, monsieur? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il aime toujours mes compliqués. Oh, allez, c'est simple. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce garçon que tu vois est vraiment très jaloux. C'est un jaloux. Jaloux? Jaloux pourquoi? Jaloux pour toi et moi. Toi et moi? Es-tu sérieux? Oui. Au fait, tu m'as jamais dit que tu t'intéressais à moi. Bébé, peut-être j'avais oublié de te le dire. Mais voilà, je te l'ai dit maintenant. Je te l'ai dit maintenant. Est-ce que tu sais que je t'aime? Je t'aime. Maintenant que tu sais que je t'aime. Mais, en passant, alors tu préfères manger quel repas aujourd'hui? C'est que je préférais manger maintenant bon, n'importe quoi. Je vais manger n'importe quoi. Ok, c'est bien. Patiente un peu. On va manger. C'est bien. Écoute, je pense que cela n'est pas bien pour toi. Puis-je te poser une question? Comment tu les connais déjà? Allez,
Je connais ce gars. C'est vraiment un mauvais gars. Il va juste te blesser. Il ne va jamais t'aimer. Il s'en fout de ce que tu veux. Il va te rendre misérable. Je connais bien Nat, ok? Il n'y a rien que tu vas m'apprendre concernant Nat. On a tous des mauvais côtés, ok? Et même toi. Ok, c'est bon. Tu n'as qu'à partir et faire ce que tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Tu sais quoi? Quoi? Tu es vraiment une personne égoïste. Quoi? Oui. Toi, tu as un engagement et tu en es heureuse. Mais tu ne veux pas que moi je sois heureuse. Hein? Comment oses-tu dire ça? Je pensais que tu étais mon amie. Bien sûr que je suis ton amie. J'ai pensé que tu étais mon amie. Excuse-moi. Liz. Liz. Notre deal commence à aller beaucoup trop loin. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Seul Dieu peut dire ça. J'espère que ça s'arrête bientôt. Je l'espère aussi. Tu m'as rappelé? Quand est-ce que tu as convaincu Etips à propos de Nathanael? Oublie ça. Je n'ai fait aucun progrès. Pourquoi? On s'est querellé la nuit dernière. Et au moment où je te parle, on n'est vraiment pas du tout en bon terme. Ne me dis pas que cette femme t'a montré le vrai caractère d'une femme. Mais pourquoi tu es dans cet état pour une femme? Mais je ne te comprends pas. Donc quand tu es en cours de route, tu ne sais même pas quoi faire et tu regardes. Sans savoir quoi faire. J'espère seulement que tu m'as très bien compris. Je ne te blâme pas. Non, mon cher. Je n'arrive pas à imaginer. Je l'avais croisé l'autre fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a intéressé par rapport à l'exposition d'éthique. Ne te dérange pas pour lui. Ok? On peut bien régler ça. T'en fais pas. Bien sûr, bien sûr. Tu as raison. Et par-dessus tout, je me marie très bientôt. J'avais presque oublié. Dans ce cas, hein? On devait trinquer pour la nouvelle vie. Trinquons pour la nouvelle vie. Absolument. Yep. Je te jure, mon ami. Moi. Ton nom. Rich Fernando, je jure te prendrai devant Dieu à Paul Westing pour être ma femme. Je te promets d'être avec toi dans les meilleurs ou dans les pires. Je te promets d'être là dans les meilleurs ou dans les pires. Josh! Lucie? Heureux mariage. Je ne pouvais pas croire que tu pouvais le dire devant les gens que je... Hey, non. Toi, criminel, tu es un violeur. Et un meurtrier. Tu ne mérites pas de vivre. Ma fille, ne fais pas ça. S'il te plaît, ma fille. Recule. S'il te plaît, ne tire pas. Ne tire pas, s'il te plaît, ma fille. Je t'implore. Maman, reste en dehors de tout ça. Mets ça de côté. Reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Y a-t-il quelque chose que tu m'as jamais dit? S'il te plaît, hein? Dis-le-moi. Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Alors, qui es-tu? J'ai été envoyé par Joker Phillips de... Mon ami Bella a besoin de voir son petit-fils. Que voudrais-tu que je fasse? D'aller là-bas et prétendre être son petit-fils. Je serai toujours là en train de te défendre. Dès que tu arrives là-bas, tu dois gagner son amour et sa confiance. Et je crois que tu deviendras son meilleur petit-fils. Et en ce niveau, tu vas la tuer. Toi et moi, nous hériterons de tous ces biens. Quoi? Oh mon Dieu! Oh qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout ira bien, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Rien n'est fini. Ce n'est pas encore fini. Je n'arrive pas à comprendre tout ceci. Je vais te dire tous les secrets du concernant. Tu n'as pas encore échoué du tout. Vraiment? Oui. Tu peux me le dire maintenant? Non, je te dirai s'il après. Plaît, je te dirai hein? Après, s'il te plaît. Non, pardon. je te dirai après, ne t'inquiète pas. Écoute-moi, je vous en prie, s'il te plaît, Rentrons. Pardon. S'il te plaît, ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. Je t'en supplie. Maman Bella, c'est tout, arrête de pleurer, c'est tout. Tout ceci va être arrangé. Pas, c'est bon. Je suis vraiment désolée. Hein. S'il te plaît. C'est tout, ça va aller. Arrête de pleurer, maman. Arrêtez de pleurer, d'accord? Ça va aller.
S'il te plaît, les Echika. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Tu es désolé? Tu es désolé? C'est tout ce que tu trouves à dire? Tout ce que tu as fait, c'est me blesser. Tu m'as blessé pour tes propres sentiments. Et là, tout ce que tu as à dire, c'est désolé, hein? Josh! Grand-mère, il y a une chose que je vais te montrer. Hein? Quoi encore? S'il te plaît. À propos. Fais ce qui est nécessaire. N'y va pas, Apo et moi avons planifié ce mariage pour faire en sorte que sa femme s'éloigne de sa petite amie si elle agit autrement. Apo, s'il te plaît. Apo, mais quoi? Tu as joué avec mon esprit? Tu peux me croire, chérie, je suis sincèrement désolé. Crois-moi, je n'ai pas fait de commentaire. Je ne crois pas que c'est toi. Si c'était dans le but d'aider, crois-moi, chérie, il faut que tu me croies. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne me quitte pas. Tu as joué de moi, tu as joué de moi. Ne parle pas, je t'en supplie. Je veux que tu restes. Tu es toute ta vie. Je t'en supplie, au nom de l'amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Pourquoi tu as préféré je faire ça? Je suis celui qui t'avait violé. Quoi? Mais j'étais aussi sauvé du violeur qui devait te violer. J'ai été payé par quelqu'un pour pouvoir faire cela. J'essaie juste de te sauver de lui parce qu'il n'est pas assez bon pour toi. Je t'en prie, crois-moi quand je t'ai dit tout ça, c'est parce que je t'aime. Je t'en prie, ne m'écoute pas, je t'en supplie. Regarde, je t'aime, ne laisse pas ça, je t'en prie. Ne me laisse pas, je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Regarde, ça va aller, lève-toi, s'il te plaît. Allez, je t'en prie, chérie, viens, chérie, viens. Allez. Pardonne-moi. Je suis désolée, nous sommes désolés. Pardonnez. C'était pas prévu, mais s'il te plaît, pardonnez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonne-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. This life for oh, too sweet, oh, so fun. Oh. What you make you know they do, like say now you get.